Johnny. T'es prête? Je suis prête. Viens, on va épater les gens de Weatherton. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre réunion de groupe, mais j'aimerais vous poser une dernière question. En tant que client habitué des magasins Weatherton, comment résumeriez-vous votre expérience chez eux? Moi j'adore, surtout en période de Noël. Oui, moi aussi, j'adore les magasins Weatherton. Ils savent créer une atmosphère chaleureuse et chez eux, je trouve qu'on est toujours très bien accueillis. Et leurs produits sont de qualité, on sait qu'on peut leur faire confiance. C'est un critère important, c'est bien que vous en parliez, ça fait partie des valeurs qu'ils défendent. Et selon vous, qu'est-ce qui différencie les magasins Weatherton des autres enseignes? Quand j'ai des courses à faire, c'est toujours là que je vais. Je peux pas dire ce qui me plaît dans leur magasin, mais je sais que je m'y sens bien. Moi, franchement, je préfère faire mes courses de Noël sur Internet. Mais je vais souvent chez eux boire un chocolat chaud. Leurs chocolats sont appréciés par beaucoup de monde. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Où est votre directrice d'études marketing? Margie Carter. Elle a eu un empêchement ce matin. Ce n'est pas la première fois qu'elle a un empêchement. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. En tout cas, Joy est très douée. Madame, il vous attend là-haut pour la réunion. Où est Madame Weatherton? Elle avait une réunion. Oh. Il valait mieux pas qu'elle reste. Margie n'aime pas trop qu'on parle aux clients. Surtout que tu lui as beaucoup plu. Moi? Elle a dit quelque chose? Elle a trouvé que tu dirigeais merveilleusement le groupe. Ouais, bah heureusement, depuis que je suis dans cette boîte, je fais que ça. Bientôt, tu feras plein d'autres choses. Je suis encore sûre de rien. Depuis que je te connais, je t'ai toujours vu te donner à fond dans ton boulot. Ils vont annoncer ta promotion au gala de Noël, y a aucun doute là-dessus. On verra. Au fait, t'as déjà ta robe? Pour le gala? Bah oui. J'ai pas eu une minute. Et toi, t'as trouvé? Non. Mais comme je viens de terminer une réunion dans un des magasins les plus réputés du pays, c'est l'occasion. Ah, oh, j'adore faire du shopping chez Weatherton. C'est ça qui est hyper classe. Je sais. Belle cette robe. C'est exactement ce que j'imaginais pour le gala. Quand j'étais petite, ma mère m'a offert une décoration de Noël de cette couleur. Oh, elle doit être hors de prix. Mais c'est la robe de mes rêves. C'est un de mes modèles préférés cette année. Madame Weatherton. Bonjour Joy. Renée. Je suis heureuse de voir que vous faites partie de la clientèle du magasin. Évidemment. Et à propos de nos clients, à votre avis, comment s'est passée notre étude? Eh bien, nous avons recueilli des informations et maintenant nous allons les étudier pour pouvoir rédiger un rapport. Oui, je sais comment ça fonctionne. Je confie mes études de marché à McDonald Weber depuis très longtemps. Non, je veux savoir ce que vous, vous pensez. Ce que vous dit votre instinct. Quand les clients passent du temps dans nos magasins, selon vous, quelles sont leurs conclusions? Leur impression est positive. Les gens adorent venir chez vous, surtout à cette période de l'année. Quand j'étais petite, un jour, ma mère a fait 4 heures de route pour qu'on puisse faire des courses de Noël ensemble ici. C'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Aucun site internet ne peut remplacer ça, et vos clients l'ont bien compris. Ce vert émeraude est splendide, n'est-ce pas? Il vous ira à la perfection. La voiture est prête? Oui, madame. Vous n'auriez pas dû donner votre avis. Je suis désolée, Margie, je sais que je n'aurais pas elle dû, elle vous mais... a mise au pied du mur. J'ai pas compris pourquoi elle était aussi pressée de savoir, c'est pas son genre. Poppy Weatherton envisage d'ouvrir une nouvelle branche de magasin en dehors de la région de Washington. C'est une bonne idée? Non, ce n'est pas du tout une bonne idée. Les grands magasins, c'est fini. L'avenir, c'est le commerce en ligne. Toutes nos études sont là pour le prouver. Mais les magasins Weatherton ne sont pas tout à fait comme les autres. Il y a plein de gens qui adorent y aller. Je sais que votre mère vous y emmenait quand vous étiez petite. C'est une histoire touchante, mais qui ne doit pas interférer avec l'expertise marketing qui a été commandée à notre entreprise. Nous sommes là pour analyser des données, Joy. Oui, bien sûr. Il est important que nos conclusions soient en accord avec les faits, et non avec vos sentiments personnels. Est-ce que c'est clair? Et au milieu des préparatifs de Noël, nous allons tout de suite faire un tour du côté de la météo qui...
pourrait annoncer encore de la neige. Salut. Les prochains jours. Le bulletin complet dans quelques minutes. Bonjour Ben. Bonjour tout le monde. N'installez pas toutes les décorations sans moi, d'accord? Vous adorez vraiment les fêtes de Noël. Eh oui. Joyeux Noël, tante Ruby. Cinq fois couronné à la fête des biscuits, Ben. Et je ne compte pas m'arrêter là. Voilà les devis des meilleurs prestataires d'archivage de dossiers médicaux. Merci. Et on en est où de votre remplacement pendant votre congé maternité? Oh, Karen est prête à prendre ma place dès qu'il aura envie de sortir. C'est juste après Noël, c'est ça? Oui, mon terme est dans 2 semaines, mais ça peut être avant. Vous êtes en train de penser à votre mère et son concours de pain d'épices. Je suis un très mauvais patron. Oh, non. Non, mais vous vous êtes engagé. Vous avez accepté de participer à ce concours, votre mère compte sur vous. Tout est prêt, les inscriptions sont bouclées. Vous avez une équipe qui s'occupe de l'installation et aussi de la décoration. Tout va bien. Et pour une fois, vous aurez un autre juge que vous. Mais il faut absolument que vous puissiez assister au concours. Je ferai de mon mieux pour y être, mais vous savez que la décision ne dépend pas que de moi. Oui, oui, je sais. Et si les circonstances m'obligent à reprendre mon rôle de juge, je le ferai avec plaisir. Je suis sûr que ma mère comprendra. Elle comprendra pas, non. Oh, je te remercie. Tu me sauves la vie. Au fait, comment ça s'est passé avec Margie? Ah, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas arrêté de parler de Poppy Weatherton. Désolée. Allô? Joy? Excuse-moi de te déranger. Joy, c'est Shirley Andrews. Ah, bonjour, madame Andrews. Comment allez-vous? Bien, je vais très bien, mais... Il est arrivé quelque chose à ta tante. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle a voulu... lui attraper ses ustensiles pour la fête des biscuits. Elle a glissé et elle s'est cassée la cheville. Et comment elle va? Je peux lui parler? Non, je suis passée chez moi prendre quelques affaires et je vais repartir à l'hôpital pour y être avant son opération. Elle va se faire opérer? Tout va bien se passer, il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. D'ailleurs, elle ne voulait pas que je t'appelle pour éviter de t'affoler. Mais comme tu es sa seule famille, je préférais que tu sois au courant. Mais oui, vous avez bien fait. Et d'accord, merci de m'avoir prévenue. De rien, voir, Joy. Qu'est-ce qui est arrivé? Ma tante a eu un accident, il faut que j'y aille. Tu veux que je m'occupe du rapport de Weatherton? Non, c'est bon, ça va aller. Je prends mon ordinateur portable. Je le rédigerai à Crystal Falls. Crystal Falls? Cette ville, c'est un peu ma seule maison. Je peux vous aider? Oui, je veux bien.
Ben? Salut, Joy. Ben Andrews? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Au moins, comme ça, tu passes pas inaperçu. Oui, tu vois, je voulais pas rater mon entrée. C'est très réussi. Oh, Ruby est là-bas, dans ce couloir. Oui, voilà. La troisième porte. Ma mère est avec elle. T'es en visite aussi? Non, c'est mon lieu de travail. Administration hospitalière. Ah, et t'étais en train d'inventer une nouvelle méthode de gestion. Oui, j'essaie d'innover. J'espère qu'il est pas trop tard pour les visites. Ici, on peut venir quand on veut. Quand on veut? Eh oui, t'es de retour en Caroline du Nord, t'es plus à Washington. Comment je vais faire pour organiser la fête des biscuits? Je vais demander à Ben de s'en occuper. Il faut au moins deux personnes pour tout superviser. Écoute, pour l'instant, c'est ta santé la priorité. Oui, tu as raison. Je venais de préparer un gâteau. Tu ne voudrais pas aller le chercher et me l'apporter? Et dire que j'ai passé la journée à me faire du souci pour toi. Joy! Oh, tu l'as appelé? Tu vois, finalement, j'ai bien fait. Oh oui, tu as bien fait, mais tu es venue de Washington en voiture? Oui, et je me suis dit que tu aurais besoin de tes magazines préférés. Faut que tu t'occupes, sinon tu vas faire tourner le personnel en bourrique. Comment va notre patiente? Pas patiente du tout. Ça m'étonne pas. Je me suis cassé la cheville, c'est rien. Le médecin doit passer demain donner un avis officiel. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, Joy. On est tous inquiets pour vous, Ruby. Oh, c'est le chocolat noisette. Noisette et amande. Joy, tu te souviens de mon fils, non? Ben. On s'est croisés, ou plutôt en berlificoté dans le hall, maman. Ça fait un bail. Je crois que la dernière fois que je t'ai vu, c'était avant ton départ à la fac. À Georgetown. Et toi, t'es allé où? À Columbia. Ah oui? T'as habité New York? Ouais, pendant quelques années. Bon, allez, on devrait laisser Ruby se reposer un peu, non? Et mes animaux, qui va les nourrir? Moi, je peux les nourrir, je pensais dormir à la ferme, enfin, si ça t'embête pas. Merci, ma chérie. Oh, et la fête des biscuits, Ben? Comment on va s'en sortir? C'est dans une semaine. La fête des biscuits, c'est pas le truc où les gens paient pour regarder des décorations de Noël et manger des gâteaux? Enfin, des biscuits de Noël. C'est le concept. Il y a des concurrents très sérieux cette année. Hé, ta tante a gagné le premier prix 4 années de suite. C'est surtout grâce à Ben. À Ben? Je suis le premier lieutenant du capitaine Ruby. Mais dis donc, Ruby, pourquoi tu m'as jamais demandé d'être ton sous-lieutenant? Je suis quand même ta nièce. Ma chérie, tu n'as jamais le temps de venir me voir. Si tu m'avais demandé, je serais venue. De Washington? Oui. Pour la fête des biscuits de Noël? Ça paraît si dingue que ça. Non, non. Je propose qu'on remette cette discussion à un autre jour. Il est tard, Ruby doit être épuisée. D'accord, je reviendrai demain voir ce que le docteur a dit. Merci d'être venue, Joy. C'est normal. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir aussi. Dormez bien. Prendre du recul sur les choses, c'est pas toujours une solution. T'es à mourir de rire. Je croyais que ces voitures étaient équipées de super caméras et de machines à cappuccino. Si j'avais bu un cappuccino, j'aurais peut-être pensé à allumer ma super caméra. T'as pas un papier et un stylo? Il faut que je laisse mes coordonnées. Oh, le propriétaire sait très bien qui tu es. Alors ça, c'est le comble. Je suis vraiment désolée. Tu veux que je te donne une bonne nouvelle? Ma voiture n'a rien. Mais la tienne, elle fait un peu la tronche. Elle fait la tronche? Elle est déçue que tu n'aies pas utilisé sa super caméra pour la protéger. Ah, la pauvre. Tu veux une autre bonne nouvelle? Ah, je meurs d'impatience. Je connais quelqu'un qui te la répare pour le prix des pièces et une pizza. Ah oui, c'est vrai? Bien sûr. C'est mon cousin, Zach, va le voir de ma part. Tous les jours sauf le samedi. Zach? Ouais. Et pourquoi pas le samedi? Le samedi, il bosse au resto de ses parents. Je vois. Ah, t'as oublié combien cette ville était petite? Apparemment, oui. Tu devrais pouvoir rouler jusqu'à la ferme. Mais j'espère que le pare-choc va pas tomber. Merci encore. Je t'en prie. N'hésite pas surtout. Thank you.
es sûre que tu peux tout porter? Oui, c'est bon. Merci de m'aider à transporter tout ça. Ça me fait plaisir. Si t'es d'accord, je passerai plus tard dans la semaine récupérer les décorations pour la fête des biscuits. Je suis un peu crevé ce soir. Tu vas t'occuper de ça tout seul? Tu pourras t'en sortir? Ben oui. Je vais devoir m'y prendre un peu plus tôt, mais je devrais me débrouiller. C'est beaucoup de travail pour une seule personne. Salut, chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens pas bien, papa? Non, c'est parce que je viens de finir de regarder La vie est belle de Capra. Ça me fait pleurer à chaque fois. T'es mon mignon petit cœur sensible. C'est pour ça que tu m'aimes. Tu te souviens de Joy, la nièce de Ruby? Elle est venue la voir à l'hôpital. Elle a fait toute la route depuis Washington. Ça montre que c'est une fille attentionnée. Je suis d'accord. Elle aurait voulu participer à la fête des biscuits. De la part d'une fille de la ville, j'ai trouvé ça étonnant. Ben, c'est quoi ces préjugés? Les filles des villes ne sont pas toutes comme... Tu vois qui je veux dire? Ben! On n'arrête pas de parler de la fête des biscuits, mais tu sais, on a aussi beaucoup de choses à préparer pour notre concours. Le concours de pain d'épices, c'est important. Et du coup, on est toujours coéquipiers, c'est sûr. Tant qu'Ashley n'est pas retenue par son accouchement. Ça fait 4 ans que c'est toi qui juges ce concours, ce qui veut dire que ça fait 4 ans que je me résigne et que j'attends qu'on puisse former une équipe. Je te promets que si Ashley ne peut pas être juge, je trouverai un remplaçant. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, mon fils. Tenez, régalez-vous. C'est pas tout à fait comme ça que j'avais imaginé mon week-end. On se retrouve. T'as changé de style? C'était soit ça, soit une robe de soirée vert émeraude. Bon choix. Ici, c'est plutôt lundi, les tenues de soirée. C'est dommage, je serais partie. Ouais, dommage. Où est-ce que je peux commander à emporter? Assieds-toi, quelqu'un va venir prendre ta commande. T'as un rendez-vous? Ruby doit voir le médecin aujourd'hui. Oh, t'as largement le temps. Je vais leur dire de ne pas commencer sans toi. T'y vas aussi? Ma mère ne pouvait pas venir, alors elle m'a demandé de m'assurer que Ruby écoute les conseils du médecin. Ça alors, c'est pas gagné. À tout de suite. Oh non, Ruby, c'est pour ton bien. 6 jours entiers et j'ai pas le droit de poser le pied par terre du tout. C'est ça, et vous devez aussi maintenir votre jambe en élévation le plus possible. Je peux faire tout ça à la maison. Si tu rentres chez toi, tu pourras pas t'empêcher de t'activer, c'est beaucoup trop risqué. Vous avez besoin de repos. Il est loin, le centre de rééducation? À 2 heures de route. C'est beaucoup trop loin. Votre assurance couvre les frais. Et c'est pas ça le problème, je pourrais pas m'occuper de la fête des biscuits. C'est un moment très important pour moi. Ne vous inquiétez pas, vous serez revenu à temps pour y assister. Mais je ne pourrai rien préparer. Moi, je préparerai tout. Comme ça, quand tu rentreras, tout sera parfait. Mais chérie, tu ne te rends pas compte, c'est un travail énorme. Oh, je vais y arriver. Je te rappelle que tu m'as accueillie au pire moment de ma vie et que tu m'as donné du réconfort et de l'amour. Maintenant, c'est mon tour. Et ton boulot, ça va pas être compliqué? Oh, te fais pas de soucis pour ça. J'ai plein de jours de congé en retard et j'ai mon ordinateur, donc je peux travailler d'ici. Toi, concentre-toi sur ta guérison et laisse ta nièce gérer le reste. Je m'occupe de la fête des biscuits. T'es parti trop vite de l'hôpital, voilà ma carte. Pourquoi faire? Pour que tu puisses m'appeler. Qu'on fixe un rendez-vous pour parler de la fête des biscuits. Pourquoi on devrait en parler? On a beaucoup de choses à faire en 6 jours. Il faut déjà qu'on trouve un thème. Ruby a une liste de tous les thèmes déjà proposés, ça évite les doublons. L'année dernière, c'était Noël aux 4 coins du monde. Une fois qu'on a choisi notre thème, on doit imaginer la décoration intérieure et extérieure. Pensez au sapin de Noël. Au sapin, il y en a plusieurs? Ah oui, plusieurs. Il en faut au moins 4, peut-être 5. 5 sapins de Noël? Eh oui, il faut au moins ça. Et il faut préparer des réserves de pâtes. Des réserves de pâtes? Oui, si tu veux servir plein de biscuits, il faut bien commencer par préparer la pâte. Écoute Ben, j'apprécie l'aide que t'apportes à ma tante depuis des années, mais moi j'ai seulement besoin d'un résumé, pas d'un coéquipier. Ah, on sera pas trop deux pour faire ce boulot. J'ai toujours travaillé pour deux dans tous mes boulots et je m'en sors mieux toute seule. Tu
Tu sous-évalues ta mission. C'est des sapins de Noël et des biscuits, pas des maths avancées. Et d'ailleurs, je suis plutôt douée en maths. Dans ce cas, je vais parler le langage des nombres. 250 sablés nature, 150 sablés à la confiture, 120 shortbread, 60 mini-tartes citron, 500 cookies au chocolat, chocolat au lait et chocolat noir, 350 brownies aux noix et sans noix. De chaque ? 350 de chaque, et ça c'était l'année dernière. Cette année, ce sera peut-être encore plus. Cette année, 15 familles se sont inscrites et chacune espère remporter la couronne d'or. La quoi ? La couronne d'or. C'est un trophée ? Le premier prix, la fierté de ta tante. Et t'as promis de t'en occuper pour elle, sans l'aide de personne. Bonne chance, Solo. Amuse-toi bien. Enfin, je prends 5 jours et après, il y a le week-end, donc je serai pas tellement absente. Je croyais que vous étiez rentrée chez vous pour aider votre tante. C'est vrai, et je l'aide justement en m'occupant de la fête des biscuits. Des biscuits ? C'est un événement important pour elle, donc c'est important pour moi aussi. C'est bon, ça va, je comprends. La famille, c'est une priorité. Merci. Et puis, j'ai emporté mon ordinateur et mon téléphone, donc je peux continuer à travailler. J'ai vu que le rapport Weatherton était arrivé. Votre analyse était parfaite. Super. Ce qui ne tombe pas trop mal, c'est que le rythme ici est souvent assez calme avant les fêtes. Mais vous serez revenu pour le gala de Noël, j'espère. Je vais surtout pas le rater. En plus, j'ai déjà ma robe. Bon, dans ce cas, très bien. Bonne pâtisserie. Merci. Au revoir. Au revoir. Voyons voir. Joy est convaincue qu'elle peut se débrouiller toute seule. Ah bon ? Et tu n'as pas essayé de lui expliquer ? Non, je ne vais pas l'obliger à bosser avec moi. Et puis comme ça, j'aurai plus de temps pour préparer le concours de pain d'épices avec toi. Oui, mais elle n'a pas l'air de savoir dans quoi elle s'embarque. Il faudrait le lui faire comprendre. Elle comprendra quand je lui apporterai les décorations qui ont servi l'année dernière. Trouver un thème, préparer la pâte, décorer la maison, cuire les biscuits. Oh ben, ça va. Wow. C'est pas possible. Salut. T'as encore changé de style ? Eh oui, comme j'ai décidé de rester une semaine, il a bien fallu que j'aille faire un peu de shopping. Qu'est-ce qui t'amène ? Je t'ai apporté mon stock de décoration. Oh, c'est bon, j'en ai déjà trouvé. T'en as trouvé que la moitié. Quoi ? C'est moitié l'autre. On a vraiment besoin de tout ça ? Tu peux sûrement te passer quelques boîtes. Ça dépend du nombre de sapins. Ça dépend aussi beaucoup du thème choisi. J'imagine que t'as choisi un thème ? Je me dis que pendant que je préparais les biscuits, je trouverais l'inspiration. D'accord. Toi, t'as pas l'air d'approuver ma méthode. Non, tu fais comme tu veux. Alors... Mais d'après mon expérience, je te conseille de choisir un thème rapidement. Bon, pourquoi on n'opte pas pour le thème le plus simple ? Biscuit de Noël. Oh. Monsieur n'est pas content ? Tu pourrais au moins essayer. Il ne s'agit pas que de gâteaux, c'est une fête familiale qui célèbre l'esprit de Noël. Vas-y, fais-moi une proposition. Oh. Je croyais que tu ne voulais pas de mon aide. Je te demande pas de m'aider, je te demande des suggestions. Tu as besoin de l'avis d'un expert en fête des biscuits. Très bien, combien tu veux ? Tu veux me payer ? Je sais pas, c'est quoi les tarifs d'un consultant spécialiste de Noël ? Dans une petite ville comme la nôtre, on cède parce que ça nous fait plaisir, pas parce qu'on est payé pour le faire. T'as qu'à m'appeler si t'as besoin d'un coup de main. Le boulot d'abord. Oh.
tes habitudes? Oui. J'ai besoin de café pour me réveiller. Je vois. C'est une bonne adresse. Ben, je voudrais m'excuser. Je suis désolée d'avoir proposé de te payer. C'était pas très délicat. Tu es pardonné. C'était un peu de ma faute aussi. Je me suis emporté. Pourquoi? J'en sais rien. Ça m'a rappelé des commentaires de mon ex-femme. Certaines disputes. J'ai vécu un divorce difficile. Je suis vraiment désolé. T'inquiète pas, je comprends. J'ai repensé à l'organisation de la fête des biscuits et je me suis dit... Excuse-moi. Oui, vas-y, je t'en prie. Allô? Salut? Non, c'est pas vrai, ça y est! Bravo, c'est génial. Ça s'est bien passé? Waouh! Il est costaud? Profitez bien, au revoir. Ça va? C'était une bonne nouvelle? Ah oui, c'était une très bonne nouvelle. Mon assistante a eu un bébé. C'est merveilleux. Avec une semaine d'avance. Mais c'est super, tout le monde va bien et ça c'est le plus important. J'ai l'impression que t'es pas totalement réjouie. C'est un peu égoïste. Ashley était censée juger le concours de pain d'épices. Attends, je suis pas sûre de comprendre. Crystal Falls organise une fête des biscuits et un concours de pain d'épices? On est gourmand. Est-ce que les gagnants remportent un abonnement à vie à la salle de sport? Non, mais c'est une idée à creuser. Explique-moi, en quoi est-ce que l'avenue au monde de ce bébé perturbe le programme des festivités? Parce qu'Ashley avait accepté de juger le concours pour que je puisse participer avec ma mère. Oh, c'est trop mignon. Ouais, mais ça va pas le faire parce que je ne peux pas à la fois être juge et présenter un pain d'épices. Pourquoi c'est toi qui devrais juger? Parce qu'il n'y a personne d'autre. Tout le monde est soit inscrit au concours, soit retenu par des obligations le 22 décembre. Donc il n'y a pas d'autre solution. Je vais être obligé de laisser tomber ma mère. À moins que je trouve quelqu'un qui... Quoi? T'es dispo le 22? Moi? Oui, toi. Oh non, Capitaine Noël, cette fois vous m'en demandez trop. Allez, s'il te plaît, je t'en supplie. Non, j'ai déjà la tête remplie de choses à faire pour la fête des biscuits, sans parler de mon vrai boulot pour lequel j'espère obtenir une promotion avant Noël. Et je suis pas libre le 22, c'est le soir du gala de mon entreprise. Je vais t'aider pour la fête des biscuits. On a déjà eu cette discussion. Je sais, tu aimes travailler en solo, mais tu n'avais pas encore pris conscience de la quantité de choses qu'il y a à mettre en place. C'est vrai, t'as déjà l'air fatigué. Je te remercie. Fatigué, mais très joli. Reconnais-le, c'est beaucoup plus lourd que tu n'imaginais. Juger le concours de pain d'épices, ça demande aucun travail. Ashley a déjà fait 99% du boulot. Et c'est pas de m'amadouer avec des chiffres. Et je t'aiderai pour la fête. Je répondrai à tes questions et je porterai tous les cartons que tu veux. Sérieusement, je peux porter des objets très lourds. Je me mets à ton service. Qu'est-ce que t'en dis? Toi et moi, biscuits et pain d'épices. Vendu. Biscuits et pain d'épices. Tu m'as appelé Capitaine Noël? Ça te va bien? Recette de biscuits. Recette de biscuits. Quand j'étais petite, ma mère m'a offert une décoration de Noël de cette couleur. Non, je pense qu'il faut maintenir la réunion de groupe sur les bonbons en décembre, parce qu'en janvier, après les fêtes, personne n'aura plus envie de manger de sucre. Crois-moi, je suis bien placée pour le savoir. Qu'est-ce que tu fabriques? On dirait que tu prépares des cookies pour un régiment. Tu peux pas imaginer la quantité de pâtes que je dois préparer. Attends une seconde, il faut absolument que j'enregistre cette conversation. C'est le concours que tu dois juger? Non, ça c'est le concours de pain d'épices. Là, je suis en train de cuisiner pour la fête des biscuits. Donc ça y est, tu es partie vivre dans une autre dimension. Ouais, c'est pour ça que j'ai besoin que tu me parles du boulot pour rester connectée à la réalité et pour préserver ma santé mentale. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Ouh, vas-y, je t'écoute. Il y a des remous du côté de Poppy Weatherton. Comment ça? Personne ne sait ce qui se passe, mais quelqu'un a entendu l'assistante de Margie dire qu'elle voulait récupérer l'intégralité des dossiers Weatherton. Ça représente au moins 10 ans de dossiers. Peut-être que ça veut rien dire. Peut-être que ça veut dire beaucoup. C'est pas moi qui gère ce compte, mais ça reste un de mes clients préférés. Tu peux entrer? C'est le mec des pains d'épices. Salut. Salut, c'est mon ami René. Salut. Ben René, René Ben. C'est lui, Ben. Ravi de te rencontrer, René. Tout le plaisir est pour moi. On prépare les pâtes à biscuits à l'avance.
même si on connaît pas encore le thème. Moi, je pense qu'il est possible que l'inspiration nous vienne pendant qu'on prépare nos réserves de pâtes pour la fête. Et moi, je pense qu'on aurait mieux fait d'y penser avant. Je dois y aller. Salut, on se rappelle. Salut. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Continue, c'est bien. Tu commences par les biscuits au raisin. Oui, parce que c'est ce que je préfère. En général, on commence par les cookies au chocolat. La pâte se garde mieux. C'est pas parce que t'as l'habitude de faire les choses d'une certaine façon que les autres n'ont pas le droit de faire autrement. J'ai quand même gagné 4 fois la couronne. Ah, super, mais ça t'empêche pas de t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Comme la perspective de la défaite. Vraiment? Je vais préparer ma pâte. Je te laisse te débrouiller. D'accord, je me débrouille, merci. Pas mal pour une première séance. Première séance sur combien, c'est la question. Oups, il fait toujours ça. Là, c'est bon. Impressionnant. Merci beaucoup. Je tire un plaisir indicible du simple fait de rayer des corvées de ma liste. C'est ce que je fais tous les jours à l'hôpital. C'est drôle, t'as pas l'air d'un mec qui bosse dans l'administration. C'est la chemise à carreaux. Sûrement. Donc, sinon j'ai feuilleté les carnets de Ruby et je me suis aperçue que t'avais raison. Le thème est un élément essentiel. Tu as bien dit que j'avais raison. Tout ça pour dire que j'ai commencé à chercher des idées et j'ai quelques propositions. Tu veux entendre? Vas-y, balance. Alors, la plupart des études montrent que les gens aiment revisiter des thèmes classiques. Donc j'ai pensé par exemple à une famille de bonhommes de neige sous les tropiques. J'ai peur que ça fonde. Bon, c'est peut-être pas la meilleure idée. Pourquoi pas Dickens? Perso, j'adore un chant de Noël. Ça a déjà été fait en 2012. Ruby était arrivée 3e. On n'était pas encore coéquipiers. Oh, sinon, pourquoi pas Dickens 2.0, le personnage de Scrooge dans la réalité virtuelle et numérique. Quoi? J'essaie de revisiter les classiques. Moi, je crois que les classiques, parfois, il vaut mieux pas trop y toucher. Ouais, mais alors c'est ringard? Non, pas ringard. Indémodable. Indémodablement ringard? Regarde. Regarde cette décoration de Noël. Elle est magnifique. Simple, classique. Elle sera toujours à la mode. Pourquoi vouloir moderniser un objet qui nous... Oh, Joy, je te demande pardon. Je suis vraiment désolée. Ça va, c'est rien. Je vais chercher un balai. C'est ma mère qui me l'avait offerte. Je vais nettoyer. Merci. C'est qui, Phil Finnegan? C'est le représentant commercial de la meilleure farine de Caroline. La marque qui sponsorise le concours de pain d'épices. Il me propose de boire un café avec lui dans 1 heure. Il veut sûrement te mettre au courant des règles et des principes du concours. D'accord. Je te propose un truc. Tu vas déposer ta voiture chez Zach, je te suis là-bas, je te conduis à ton rendez-vous et ensuite je te ramène. Ok. Mais c'est toi qui achètes la pizza. D'accord. Prêt? Une réparation contre une pizza, c'est ça? Merci, Len. Attends, tiens nos merci promesses. Merci beaucoup. Y a pas de problème. Vous me sauvez la vie. C'est une Deluxe, hein, j'espère. Celle que t'avais commandée. C'est une Deluxe. Super, merci. Bonjour, Phil. Ah, content de vous voir, je commençais à m'inquiéter. On a 3 minutes d'avance. Je sais, mais il ne reste que 3 jours avant le concours et je veux vraiment m'assurer qu'elle maîtrise le sujet. Vous avez tellement de choses à apprendre. Phil, je vous présente Joy Holbrook. Bonjour. Beaucoup de choses, ça veut dire quoi au juste? Alors, dans ce dossier, vous trouverez le règlement du concours. Et il faudrait que vous preniez le temps de lire tout ça pour vous mettre à la page le plus rapidement possible. Vous savez, être un juge, c'est beaucoup de responsabilités. À tout hasard, vous n'auriez pas une version abrégée? Ce que j'ai là, c'est la version abrégée.
Super. J'ai 3 jours, c'est ça? Je compte sur toi pour m'inviter à dîner. Bien entendu, bien sûr, c'était prévu. Crystal Falls Lodge. Je sais pas depuis combien de temps j'étais pas venue ici. Depuis le bal du lycée, peut-être. Mais non, figure-toi que je suis pas allée au bal. J'ai du mal à y croire. Mais si, c'est vrai. Je suis venue habiter ici quand j'avais 15 ans. Tout le monde avait déjà sa bande de copains. Ils se connaissaient tous depuis le primaire ou la maternelle. Et puis, c'était juste après que ma mère... Donc, bon, j'étais pas au top de ma forme. Oui, je m'en souviens. J'espère bien que tu t'en souviens. Ta mère t'a forcé à m'emmener au cinéma quand t'es rentrée à Noël pendant ta première année de fac. Elle m'a pas forcé. Si, un peu. Ça a pas dû être drôle. Tu parlais pas beaucoup, mais je savais pourquoi. Et si je me souviens bien, on a vu un bon film, non? Love Actually, c'est un film super. C'est ça qu'on a vu ensemble? Oui, je crois bien. Oh, wow. T'avais oublié. T'étais pas revenue depuis quand? Non, je sais pas, la dernière fois, c'était... Je pense que c'était l'été après que j'ai fini mes études. Et puis, j'ai trouvé du boulot, je me suis mise à travailler non-stop. Et en général, c'est Ruby qui vient me rendre visite à Washington, donc... Je suis en train de réaliser que je viens jamais ici. Je vois. Je sais que Ruby aimerait que tu viennes plus souvent. Et puis, elle est pas mal, cette ville, non? Elle est très bien. On pourrait même dire que cette ville possède un charme assez classique. Vraiment? Faut pas exagérer. J'ai faim. Oui, moi aussi. Oh, tiens, Ben. Oh, papa. Ah. Bonsoir, monsieur et madame Andrews. Bonsoir, Joy. Ça me fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Pardon, Joy. Ça t'embête pas que je dise un petit mot à Ben une seconde? Non, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, hein? Vous sortez ensemble? Non, mais non. Non, pas du tout. On était en train de préparer le concours et on a eu faim au même moment. Alors, on est venu manger. Oh. Vous auriez pas pu commander une pizza? C'est un dîner, rien d'autre. Si tu le dis. Maman. Dans quelques jours, elle va repartir en ville. Et tu connais mes résolutions? Je ne sors plus avec aucune fille qui vit en ville. Je croyais que tu ne pensais plus à Anne. Je ne pense plus à Anne. Mais ça ne m'empêche pas de tirer les leçons du passé. Quelles leçons? Savoir rester à sa place. Mais mon chéri, tu es jeune, tu as le droit de changer de place. Si tu n'ouvres pas tes horizons, cette bourgade risque de te faire mourir d'ennui. Allô, Margie? Je n'appelle pas trop tard? Non, non, pas du tout, ça va. Alors, il faudrait que vous me rédigiez le rapport sur la réunion de groupe pour Hansen. Vous savez, les bonbons. C'est pas René qui devait s'en charger? Si, mais c'est son anniversaire et son petit ami lui a fait la surprise de l'emmener en week-end. Donc, comme je sais que vous n'êtes pas très occupée, je lui ai dit que vous la dépanneriez. Enfin, je suis assez occupée, moi aussi. Entre 2 fournées de biscuits, vous réussirez bien à trouver le temps. Bien sûr, je vais trouver le temps. Il suffit que vous m'envoyiez les documents. Je vous ai déjà tout envoyé avec mes commentaires et j'ai besoin du rapport demain. Merci encore pour votre aide. Au revoir. Au revoir. Tu en es où dans tes réserves de pâtes? J'ai déjà congelé un quart de la pâte à sabler et j'ai fait un peu de brownie aussi. Un peu de brownie? J'ai croisé Fern Hartley l'autre jour et il m'a dit qu'il avait déjà pratiquement rempli son congélateur. Et Twila doit être aussi prête depuis longtemps. C'est sûr. D'accord, je m'occupe de la pâte en priorité. Et si je peux te donner un conseil, tu devrais doubler la quantité de biscuits bonhomme de neige. Ruby est toujours en rupture de stock. C'est pas vrai? Si, t'en avais plus qu'un l'année dernière. Donc j'étais pas en rupture de stock? Ah, c'était limite. Et sinon... Tu as avancé sur la déco? Non, on y réfléchira une fois qu'on aura notre thème. Vous n'avez pas de thème? Tu es sérieux? À 3 jours de la fête, vous n'avez pas encore le thème? Mais ce qui est super, c'est qu'on a plein d'idées. Quelles idées?
Déjà, ce sera pas bonhomme de neige sous les tropiques. Ça va, Joy? Pas trop débordée? T'as l'air épuisée. J'ai eu un appel du boulot hier soir et j'ai dû m'occuper d'un dossier. Tu veux dire qu'on t'appelle le soir pour le lendemain? Ce serait pas drôle, sinon. Merci beaucoup. Ah oui, merci. Je suis bien contente d'avoir renoncé à cette vie. Oui, tu sais, je travaillais pour un grand cabinet d'avocats. Tout était toujours très urgent. J'étais toujours débordée. Je courais tout le temps et je courais dans tous les sens. Et j'avais l'impression d'aller nulle part. Et vous avez tenu le coup? Non, j'ai démissionné. J'ai trouvé un poste à l'hôpital. Et je n'ai jamais regretté. J'aurais peur de tout quitter du jour au lendemain. Je me suis tellement investie depuis des années dans cette boîte. Mm-hmm. Et est-ce que tu t'épanouis dans ce travail? Il y a des aspects qui me passionnent. Et d'autres aspects qui m'ennuient un peu. Peut-être que la prochaine étape, c'est de définir précisément Merci. Quels sont les aspects les plus importants pour toi. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai parcouru les notes d'Ashley et j'ai cru comprendre que vous ne pratiquiez pas le bulletin secret pour désigner le gagnant du concours de pain d'épices. C'est vrai. C'est dommage, ça veut dire que les gens vont aller vers la boîte la plus remplie ou au contraire par pitié vers celle qui a le moins de voix. Vous avez une autre idée? J'en ai peut-être une, oui. Je vous envoie ça par mail, ça vous va? Très bien. Au revoir, à plus tard. T'as pas froid? Non, j'ai du chocolat chaud, avec un ingrédient spécial. Le chocolat normal, ça te convient pas? Tu peux y aller, ça va pas te tuer. C'est du poivre de Cayenne. Oui, ça pique. Mm-hmm, ça réchauffe encore plus. T'as trouvé l'astuce dans les carnets de rubis? Non, c'est ma mère qui m'en faisait quand j'étais petite. En tout cas, c'est délicieux. Tu vois, je revisite les classiques. Tu dois te demander pourquoi je t'ai donné rendez-vous. Biscuits ou pain d'épices, je parie. C'est pour la fête des biscuits. Il faut qu'on réussisse à se mettre d'accord et qu'on trouve notre thème pour pouvoir commencer à décorer. Je ne veux toujours pas de Scrooge dans la réalité virtuelle. J'ai compris. T'as déjà entendu dire que les meilleures idées viennent souvent sans qu'on les cherche? Non, pas vraiment. Quand on est bloqué parce qu'on cherche une solution qu'on n'arrive pas à trouver et va rester deux heures devant l'écran ou la page blanche, souvent ça aboutit à rien. Par contre, il suffit d'aller faire la vaisselle ou prendre une douche pour que soudain, l'idée jaillisse. L'éclair de génie. Exactement. Donc aujourd'hui, au lieu de chercher, on va laisser l'idée jaillir. Voilà, on y est. Ouais. Comment t'as trouvé cet endroit? Ma tante m'emmenait souvent ici. À l'hôtel Wildfire? Attends de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les vestiaires sont par là. Vous pouvez laisser vos affaires dans le caisson. J'avais complètement oublié que cet endroit existait. Ça m'étonne que Capitaine Noël ait oublié la patinoire locale. C'est la honte, hein. Ils ont construit une nouvelle patinoire plus centrale il y a 10 ans. Moi, j'aime bien celle-là. On fait un tour? D'accord. Tu tiens debout? Ça va? Ça va. Je suis pas sûre. Sinon, ça s'est passé il y a 1000 ans, mais j'ai jamais eu l'occasion de te remercier de m'avoir emmené au cinéma à l'époque. De rien. Maintenant qu'on a parlé d'une vieille histoire, raconte-moi, c'est quoi ton histoire aujourd'hui? Mon histoire? Il n'y en a pas, je vois personne, puisque je travaille tout le temps. Tu vois vraiment personne? Ça m'arrive. Allez. Je voyais un mec, Todd, mais ça n'a pas marché. C'était l'été dernier. Je vois. Et ça s'est terminé comment? En fiasco. Ça se termine toujours en fiasco. Hmm. En fiasco. Je vois ce que tu veux dire. Pas de nouvelles idées pour le thème? Non. Moi non plus. Peut-être qu'on essaie trop de ne pas essayer de chercher. Peut-être. Et si on écoutait le silence de la forêt? Ferme les yeux.
Je vais te confier un secret. Je viens souvent me promener seul dans la forêt. Quand je suis préoccupé, je viens écouter le silence. Ça m'aide à prendre du recul. Tu écoutes le silence et tu murmures aussi à l'oreille des arbres? Eh oui. Et est-ce qu'ils te répondent parfois? Oui, tout le temps. Qu'est-ce qu'ils te racontent? C'est pas tant ce qu'ils racontent qui est important. C'est plus la sensation profonde d'être relié à la nature. Ça me fait penser à une citation que j'adore. Lorsque l'on tire sur un seul fil de la nature, on découvre que ce fil est attaché au reste du monde. John Muir, je suis fan de ce type. C'est comme ça que je me sens ici. Ah bon? Oui, il y a beaucoup de fils qui me lient à cette ville. Depuis que je suis revenue, je me rends compte que j'aurais beau partir à l'autre bout du pays ou pendant de nombreuses années, au fond, je suis profondément attachée à Crystal Falls. Et pourquoi tu viens pas plus souvent? Je sais pas trop. J'ai pas vécu ici longtemps. Seulement quelques années après la mort de ma mère et à 18 ans, quand je suis partie faire mes études, j'ai un peu coupé les ponts. Je disais à tout le monde que j'avais pas vraiment de racines. Mais ta mère m'a encouragée à venir, et je me rends compte que je suis liée à plein de choses. À ma tante Ruby, bien sûr, au bon moment que j'ai vécu ici. Oh, regarde. Oh, c'est dingue. Attends, je sais. Quoi? Notre thème, la mère nature. Le fait que nous soyons tous liés les uns aux autres par le rythme des saisons. Un sentiment qu'on a encore plus à Noël, une période de rassemblement et de partage. Ce thème est parfait. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On peut rester dans une déco classique. Légèrement revisitée quand même. On avance. Elles sont trop belles, les blanches. Et celle en bois aussi. C'est magnifique. Et t'as traversé la soirée sans casser une boule de Noël? Sans casse, c'est moins drôle. Me dis pas que c'est une habitude chez toi. Non, seulement avec toi. Bon, on a les sapins et donc on mettra une table là, une là et une là. Ruby les met toujours là-bas contre le mur du fond. Ouais, mais comme ça on circulera mieux. On circulera mieux? Oui, c'est mieux que les deux côtés des tables soient accessibles. On dirait que t'es sur le point de faire un malaise, là. Ah bah, je fais très bien. Non, arrête. Je chamboule tes habitudes et ça te perturbe au plus haut point. Je vois pas ce qu'il y a de mal à conserver ses habitudes, surtout si elles ont fait leur preuve. Bah oui, pourquoi vouloir changer une recette qui fonctionne? J'ai l'impression qu'on s'éloigne du problème des tables. T'as quelque chose à me reprocher? Non, c'est bon, ça va. On va conserver les habitudes. Ouf. Mais je suis pas si vieux que ça. J'ai pas peur du changement. J'ai habité à New York pendant des années. Pourquoi t'es rentré? Mes parents ont pris leur retraite. Il m'avait toujours paru invincible et je me suis rendu compte qu'il n'était pas éternel. Et j'ai réalisé que je passais à côté de pas mal de choses. Les voir une fois par an à Noël, ça ne me semblait plus suffisant. Donc voilà, j'ai trouvé un boulot à l'hôpital et je suis revenu. Et c'était la bonne décision? Sans aucun doute. J'ai vraiment passé une merveilleuse journée. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Tu sais, moi aussi j'ai passé une bonne journée. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'aille... faut que j'aille aider ma mère à préparer les pains d'épices. D'accord. Merci pour le... Enfin, merci pour tout. Tout ça, là. La patinoire, les sapins et je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour la fête. Thank you.
J'ai besoin de chocolat. Sur le dessus a décongelé et il y a plein de pâtes qui a tourné. Heureusement que ce qui était au fond a tenu le coup. C'est déjà ça? Oui, mais j'ai dû aller dans deux villes pour retrouver les ingrédients. Pourquoi? Ils sont en rupture? Entre le concours de pain d'épices et la fête des biscuits, les supermarchés n'ont plus un paquet de farine en rayon. Ne me dis pas que tu prévois réellement de refaire toute la pâte que tu as perdue. La fête est dans deux jours, je suis bien obligée. On a le gala demain soir. Et demain après-midi, je dois juger le concours de pain d'épices. Bonne chance, Wonder Woman. Arrête, c'est l'horreur. J'ai l'impression que quelque chose va partir en sucette et j'aimerais bien que ce soit pas moi. T'es sûre que tu pourras venir au gala? Mais oui, bien sûr. Ok, je suis rassurée. J'avais peur que tu ne reviennes jamais du pays du sucre et des gâteaux. Je sais que je ne peux pas ne pas y aller. C'est clair. En plus, Margie n'est pas hyper contente que tu sois pas au bureau. Pourquoi? Elle s'est plainte de mon absence? Non, pas directement. Mais elle a fait des petites réflexions. Et elle a insisté pour te confier le rapport sur les bonbons Hanson. Elle m'a dit que t'étais partie en week-end. J'étais partie, mais j'aurais pu m'en occuper. Bref. Elle a pas arrêté de répéter que tu te la coulais douce et que tu pouvais bien prendre ce dossier. Ça m'inquiète ce que tu me dis, parce qu'elle peut décider de pas me nommer directrice. Je sais, donc ne rate surtout pas le gala. T'as qu'à demander au charmant Ben de t'aider. J'ose plus rien lui demander. Pourquoi? Je croyais que vous étiez coéquipier. Je sais. Attends, il s'est passé quelque chose entre vous? Il a failli se passer quelque chose à la fin de la journée, et puis il est parti hyper vite et du coup il s'est rien passé et c'était assez gênant. Je crois qu'il vaut mieux que je me débrouille sans Ben à partir de maintenant. On ne t'entend pas aujourd'hui, chérie. Qu'est-ce qui te tracasse? Hein? Oh, rien. C'est rien. Je réfléchissais. On travaille. Je pense aussi au concours et à la fête des biscuits. Ça se présente bien? Ouais, très bien. Ça va être super. C'est une excellente nouvelle! Et le docteur Walsh a dit que je me remets tellement vite que je peux déjà marcher avec une canne! C'est génial, tu dois être contente! Qu'est-ce que c'était? Rien, je suis allée faire quelques courses en plus pour compléter le stock. Refaire un peu de pâte à biscuits. T'en fais combien? Je sais pas, un tout petit peu. Joy? J'entends bien au ton de ta voix que quelque chose ne va pas. Raconte-moi ce qui se passe tout de suite, ça nous fera gagner du temps. Si seulement j'avais plus de temps. J'ai presque fini. On va laisser sécher quelques heures et on pourra commencer à mettre le glaçage. Ruby vient de téléphoner. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Joy avait eu un souci avec le congélateur? Tu n'es pas au courant? Non. Je croyais que vous passiez toutes vos journées ensemble. Je lui ai filé un coup de main, c'est tout. Elle a perdu sa pâte? La moitié au moins. Apparemment, elle va devoir cuisiner toute la nuit. Elle peut pas sortir de ce pétrin toute seule. Non, c'est clair. Elles vont vite dans le coin. On va t'aider à rattraper ton retard. Entrez vite. Bonjour, merci de venir m'aider. Dashing through the snow in one horse open sleigh. All the fears we go laughing on the way. Bells on bobtail. Doucement, les éclasse pas. Making spirits bright. Je vais m'en occuper. Non, tu peux pas t'en empêcher. C'est bon. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Je vais goûter celui-là. Tu veux pas goûter? Il sent comme ça. Il y a du poivre dedans. Je suis contente d'admirer. Attendez, moi aussi je veux danser.
danser. Maman, tu danses. Merci, merci à tous pour votre aide. Vous devez être épuisés. Je sais que vous avez fait ça pour Ruby, oh, mais je... On l'a fait pour Ruby et pour toi. Ça me touche beaucoup. C'est pas grand-chose. On y va? Oh, allons nous coucher. Reposez-vous bien. Oh oui. Au revoir. Allez, bonsoir. Bonne nuit, chérie. Au revoir, chérie. Oh. Repose-toi. Salut. Ben? Merci. C'est la moindre des choses. Et à propos d'hier, je voulais te dire... C'est rien, on a eu un petit moment de flottement, ça arrive. J'ai créé une gêne entre nous. On vit tous des moments gênants parfois, c'est pas grave. Comme maintenant. On se voit demain. Biscuit et pain d'épices. Biscuit et pain d'épices. Rentre bien. Donc ça, c'est les... Les urnes opaques pour ne pas influencer les votants. Il y en a une par concurrent. Ah. Je valide. C'est sur moi. C'est joli. Chaque visiteur doit prendre un jeton pour voter. Servez-vous. Prenez un jeton. D'accord. Votez pour votre gâteau préféré. Prenez votre temps. Joy! Excusez-moi. Plein de jetons, à mon avis. J'ai pas envie d'être deuxième. Un, deux. Oh. Bonjour tout le monde! Je m'appelle Phil Finnegan. La meilleure farine de Caroline et moi sommes très heureux de vous accueillir à notre concours annuel de pain d'épices. Notre grand rendez-vous de Noël! Cette année, je vous signale que c'est une nouvelle juge qui aura l'honneur d'annoncer le nom des vainqueurs. Joy Holbrook. Merci, Phil. Merci de m'avoir confié cette responsabilité, M. Nous avons vu des compositions extraordinaires aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, nous avons opté cette année pour un vote secret, donc les résultats seront peut-être légèrement surprenants. Mais ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Nous avons dépouillé les urnes et j'ai dans cette enveloppe les noms des trois gagnants de cette année. La troisième place revient au superbe Stade des Panthers sous la neige. Félicitations. Bravo, bravo. Merci. En deuxième position, nous avons le manège de Noël. Et le grand gagnant du concours annuel de pain d'épices organisé par la meilleure farine de Caroline est... l'atelier du Père Noël au milieu de la forêt. Oh, bravo au joli duo mère-fils composé de Ben et de Shirley Andrews. Oh, merci. Une photo des deux champions, un petit souvenir de la victoire, bravo. C'est dans la boîte. Et maintenant, je vais prononcer les mots que tout le monde attend avec impatience. C'est l'heure de la dégustation! Félicitations. Regarde, ce qui est en bas. Je vois. Tu me mettras sur la cheminée. Regarde ce qu'on a gagné. Oh, je suis très heureux. Je suis très fier de vous. Merci, papa. J'aime bien les guirlandes. Tu retournes à Washington? Oui, j'ai le gala de Noël de mon entreprise. C'est que 5 heures de route. Après un concours de pain d'épices et une nuit passée à cuire des biscuits? J'ai bu beaucoup de café aujourd'hui. Je voulais juste te dire que t'avais été excellente dans ton rôle de juge. Le vote secret, c'était une super idée. Merci. Mais Ashley avait fait 99% du travail. Tu te mets à parler en chiffres, à ce que je vois. C'est mon domaine. Je vais pas te retenir plus longtemps, mais je voulais te donner ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit cadeau de Noël. Tu peux l'ouvrir plus tard, si tu veux. T'as de la route qui t'attend. Je reviens demain pour la fête des biscuits. T'aurais pu me le donner à ce moment-là? On sait jamais si...
si tu préfères rester à Washington. Voilà. Merci. Bon, fais attention à toi. Partir vers la forêt. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Ah, tu penses à quelque chose en particulier? À Joy. Ah. J'espère que penser à Joy t'apporte de la joie et non de la peine. Ce serait vraiment dommage, sinon. J'ai l'impression que je vais encore avoir le cœur brisé. Ah. En amour, c'est toujours une possibilité. Mais ce que je constate, c'est qu'en ce moment non plus, t'es pas heureux. Joy habite à Washington. Je connais la difficulté de ce type de relation. J'ai pas envie de reproduire le même scénario. Ah ça, il y a toujours un risque. À partir du moment où on se lance dans une histoire, on peut pas tout maîtriser. Je sais que Joy est différente d'Anne. Écoute, si elle te plaît et que tu as envie qu'elle le sache, eh bien va la voir et dis-lui ce que tu ressens. Après, tu verras. L'expérience nous dira si votre histoire est faite pour durer. Hmm? Mais il faut la vivre pour le savoir. Malheureusement, c'est le seul moyen. Allez, avancez. Allô? Je suis dans la voiture en bas. Ok, je descends. Je suis presque prête, j'ai mis un temps fou pour venir. Je vais devoir me coiffer dans la voiture. J'arrive. Joy, René, je suis contente que vous soyez là. On n'allait pas rater ça. Vous repartez ou vous êtes avec nous pour de bon? Ah, je dois retourner là-bas demain. Ma tante sort de l'hôpital et je participe au concours de biscuits de Noël. Ce concours ne vous a pas déjà pris une semaine? Oui, c'était les préparatifs du concours. Oh, très élégante. On en discutera. Très bonne soirée. On se voit plus tard. Madame Weatherton, au fait, t'as su ce qui se passait finalement avec le dossier Weatherton? Non, mais une des collaboratrices de Margie m'a dit qu'il n'était même pas sûr que Poppy vienne ce soir. C'est pas bon signe. Enfin, au bout du compte, elle est venue. Et toi aussi, tu es venue. Ça fait plaisir de voir ton visage en vrai et pas sur un écran d'ordinateur. Tu m'as manqué. Viens, on va chercher un verre et après je veux tous les détails de ton histoire avec Ben. Oh. Je savais que cette robe serait parfaite. Madame Weatherton,
J'ai essayé de vous joindre la semaine dernière. On m'a dit que vous étiez en déplacement. Dans une petite ville de Caroline du Nord, c'est ça? J'ai de la famille là-bas. À Crystal Falls. Oh, je connais très bien. Ah bon? Oui, j'ai moi-même de la famille à Charlotte. Vous y êtes allée pourquoi? Je suis allée aider ma tante à préparer la fête des biscuits de Noël. La fête des... Excusez-moi, vous avez appelé le bureau parce que vous cherchiez à me joindre? Ah oui. Si votre bureau est comme tous les autres, j'imagine que vous avez entendu certaines rumeurs me concernant. Je suis venue ce soir dans l'espoir de vous croiser. Des changements importants vont avoir lieu chez nous à partir de janvier. Je tenais à vous en parler personnellement. Pour vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre travail au fil des années, même si vos efforts ne sont pas toujours reconnus. Je vais voir. Notamment par vos supérieurs. C'est gentil. Venant de vous, ça me touche particulièrement. Vous participez à la fête des biscuits de Noël? J'y vais demain. Mon imagination est en ébullition. Ça doit être incroyable. Rentrons à la maison. Bien, madame. Par ici, je vous en prie. La fête des biscuits de Noël, vous connaissez? Non, madame. Renseignez-vous pour moi. Joy, qu'est-ce que Poppy Weatherton voulait? Oh, elle voulait simplement me remercier pour mon travail. Pourquoi cette question? Écoutez, je vous le dis à vous, en confidence. Weatherton a décidé de nous quitter. Quoi? Je viens d'en avoir la confirmation. Ce qui veut dire que vous allez devoir mettre les bouchées doubles à partir de demain. Demain, vous savez, je serai pas là. Je récupère ma tante et je vais à la fête des biscuits. Joy, on vient juste de perdre un de nos plus gros clients. Il va falloir qu'on se démène pour compenser cette perte de revenus. J'ai promis à ma tante que j'irai. Je suis sûre qu'elle comprendra. Je n'annulerai pas. Écoutez, il faut savoir où sont vos priorités, d'accord? Je n'ai pas encore annoncé les promotions. Qu'est-ce que vous insinuez? Joy, vous êtes une femme intelligente. Songez à votre carrière. Il y a de grandes chances pour que vous soyez encore plus occupée cette année. Ce travail m'accapare déjà tellement que j'ai même pas le temps de voir mes amis, ma famille, ma tante. Joy. Je suis désolée, Margie. Si vous avez besoin de quelques jours, je peux toujours... Non, c'est inutile. Là, ça fait des mois que je rêve de ce gala d'entreprise et de tout ce qu'il représente. Mais maintenant que j'y suis, je me rends compte que j'ai envie d'être ailleurs. Je crois qu'au fond, ma place est à... À Crystal Falls. C'est ma maison. J'annoncerai votre départ à nos collaborateurs. Merci. Vous m'avez beaucoup appris. Joy. Ça va? Ça va. Je crois que je viens de démissionner. Non, c'est pas vrai. À la tienne. Vos départs? C'est dingue! J'en reviens pas. Je suis une femme libre. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Oh, hé, hey, tu peux aller me chercher du champagne? Je demande pardon? Du champagne, il en faut plus. Dépêche-toi. J'ai encore du mal à réaliser. Margie doit fulminer. Tu vas en baver sans toi. Oui, peut-être un peu. Tu vas me manquer. Je pourrais plus t'apporter ton déjeuner. Tu peux me tenir mon verre 2 secondes, je reviens. Oui, bien sûr. Merci. Je t'attends. Excusez-moi. Marche presque. Ouh. Allez. Oh.
c'est ravissant. Je suis contente. Sinon, quand est-ce que je pourrais voir le reste? Bientôt. On a encore un peu de travail, mais tout sera prêt à temps. Mais oui, je suis sûre que tout sera parfait. Ah, et tu sais à quelle heure viennent les Andrews? En général, ils arrivent en avance. Je sais pas ce qu'ils ont décidé. J'ai pas eu de nouvelles de Ben depuis hier. Y a un problème? Je sais pas trop. On a passé pas mal de temps ensemble pour préparer toutes les fêtes, et puis... il a eu peur qu'on se rapproche, mais hier, il a débarqué au gala de Noël de ma boîte. À Washington? Oui, tu te rends compte? Mais il est parti avant qu'on ait eu le temps de se parler. Et depuis, à chaque fois que j'appelle, je tombe sur sa messagerie. Mais ça lui ressemble pas. Je sais. Du coup, je sais pas quoi faire pour la fête de ce soir. T'inquiète pas, t'as plus qu'à profiter. Ce qui me préoccupe, c'est surtout ce que tu ressens. J'ai horreur d'être dans cet état. Vulnérable? Oui. Tu sais, ce qui rend vulnérable, c'est l'amour. Et je suis tellement heureuse que tu aies rencontré quelqu'un pour qui tu éprouves ce sentiment. Ben est un homme bien. Oui, mais pourquoi il me rappelle pas? Il va falloir que vous ayez une discussion avant que tu retournes en ville. À propos de ça, est-ce que t'envisagerais d'héberger une nouvelle colocataire pendant quelques temps? Et tu serais prête? À donner plus de sens à ma vie et passer plus de temps avec les personnes que j'aime. Oh! C'est le plus beau de tous les cadeaux de Noël que tu puisses m'offrir, ma chérie. Salut! Je vous rapporte votre pelle, j'en ai acheté une neuve. Dis-moi pourquoi tu ne réponds pas à Joy. T'es en forme ce matin, maman? Ruby est rentrée. Elle dit que Joy a essayé de t'appeler plusieurs fois et que tu ne réponds pas à ses messages. Laisse-moi gérer mes affaires. Sauf que tu ne gères rien du tout. Ne t'inquiète pas, je lui dirai au revoir avant qu'elle reparte à Washington. Si tu t'informais, tu saurais qu'elle a décidé de rester. Quoi? Oui, à Crystal Falls, figure-toi. Il paraît qu'elle a refusé une énorme promotion et qu'elle va habiter à la ferme de Ruby. Pourquoi? T'as qu'à lui poser la question. Nature elle-même est venue décorer la maison. C'est exactement ce que je voulais. Et on propose deux sortes de chocolat chaud. Un classique et un avec du poivre, comme Emma faisait quand elle était petite. Oh, Joy, c'est magnifique. Tout est parfait. Je suis bluffée. Cool. Je suis contente que ça te plaise. Bien sûr que ça me plaît. Au fait, je vous ai pas dit... Je sais quel thème Twila Taft a choisi pour sa fête des biscuits cette année. Hein? Chocolat, tout simplement. Oh, chocolat. Elle aurait pu au moins essayer. Je suis presque désolée que notre thème soit si original. Arrête, tu mens. Que la fête commence. C'est parti. Entrez, faites comme chez vous. Entrez, je vous en prie. N'hésitez pas à goûter. Soyez les bienvenus. Venez goûter les biscuits. Je crois que j'ai goûté les deux. Je n'ai rien fait, je n'avais pas le droit de bouger. Je te jure qu'ils m'ont copié. C'est vraiment la Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Vous devriez goûter. Oh, excusez-moi. Bien sûr. Oh, t'es venue jusqu'ici. Après tout ce que tu m'as raconté, je voulais pas rater ça. Où est-ce qu'il est? Qui ça? Ben. Oh, je sais pas où il est. Je suis pas sûre qu'il vienne, finalement. Il est pas très tard, il peut encore arriver. Ouais. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous voir tous ici. Cette année, j'ai beaucoup de personnes à remercier. Ma nièce, surtout. Merci, Joy, pour tout ce travail et merci à tous ceux qui l'ont aidé à préparer cette jolie fête. Merci à tous. Et régalez-vous.
Ben a fabriqué ça pour moi. Ça me rappelle une décoration qu'Emma t'avait donnée. Ça m'a touchée. Oui, je comprends. Ah. Une seconde. Alors, c'est ça la fête des biscuits de Noël. Madame Weatherton, mais qu'est-ce que vous faites là? Je n'étais pas loin, je n'ai pas résisté à la curiosité. C'est encore plus étonnant que ce que j'imaginais. Je dois dire que beaucoup de gens ont travaillé pour préparer l'événement. Mais c'était vous le maître d'œuvre. En quelque sorte. Ça se voit tout de suite. Votre patronne a dû vous apprendre que Weatherton ne ferait désormais plus appel au service de l'entreprise McDonald Weber. Margie m'en a touché deux mots. Ce qu'elle a sans doute omis de vous dire, c'est que je prévois d'ouvrir un service marketing en interne. Et j'aimerais vous proposer un poste de responsable marketing au sein de ma nouvelle équipe. À moi? Oui, si ça vous intéresse, bien sûr. Par contre, il faudrait que vous emménagiez dans la région parce que j'ai l'intention d'ouvrir prochainement un nouveau magasin et un nouvel ensemble de bureaux à Charlotte. J'ai le sentiment que vous ne serez pas contre le changement d'air. Je vous laisse ma carte, rappelez-moi, le 2 janvier pour qu'on en discute. Merci beaucoup. Bon, excusez-moi, mais je meurs d'envie de goûter les biscuits au gingembre. Vous avez raison. T'es venu? J'étais pas sûre que... Je laisse pas tomber mon capitaine. T'as investi au moins autant de temps et d'énergie que moi dans l'histoire. C'est toi qui as tout coordonné. Tu peux être fière. Désolée de ne pas avoir été là ce matin. Mais t'es venu à Washington? Pourquoi t'es partie sans venir me parler? Tu étais tellement belle dans cette robe. Et tellement à l'aise dans ton univers. Je ne fais pas partie de ce monde-là. Et j'ai eu peur. Mais je voudrais réessayer. Si tu veux bien. Peut-être sans le nœud pape cette fois. T'étais très chic. J'ai bien aimé le costume. J'ai bien aimé la robe. Ah oui? Tu étais magnifique. Mademoiselle Joy Holbrook, voulez-vous dîner avec moi? Au Crystal Falls Lodge? Ils ne font pas que les bals de lycée et les anniversaires de mariage. Je pense que ça devrait pouvoir s'organiser. Ah oui. Il se trouve que je vais avoir pas mal de choses à organiser. Je vais démarrer un nouveau boulot pour une nouvelle branche de Weatherton, à Charlotte. C'est pas très loin d'ici, ça. Et ça tombe bien, parce que j'ai prévu de rester à Crystal Falls pour une période indéfinie. Tu en es sûre? J'ai mis le temps, mais j'ai fini par comprendre que... il suffit parfois de tirer sur un seul fil. Pour découvrir qu'il est attaché au reste du monde. Mes attaches sont ici.